Bon les amis, ça va maintenant faire plus de 24 heures que je suis enfermé dans la salle où Weshden nous a donc capturé. Alors voilà, c'était Weshden et Fenu qui étaient un petit peu en colère face à nous et face du coup à nos face à moi et Michou. Alors je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'elle m'a capturé moi, donc du coup c'est pour ça que c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc les potes, juste avant que l'on commence la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas dès maintenant de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et puis en plus comme ça tu ne loueras plus aucune de mes vidéos. Voilà, n'hésite pas aussi à pourquoi pas mettre un gros pouce bleu parce que les potes, si jamais il y a 50 pouces bleus sous cette vidéo, et ben j'organiserai simplement un nouvel épisode de ce genre et ça pourrait vraiment être génial. Et n'hésitez pas aussi à devenir sponsor à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, ça me soutient énormément. Un grand merci à tous ceux qui le deviennent. Pour devenir sponsor, de toute façon c'est simple, soit tu cliques sur le bouton rejoindre ou soit tu cliques dans la description, il y a un lien avec écrit dessus devenir sponsor, merci à tous. Bon les potes, du coup ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui voilà on va tenter de s'évader, de cette cellule. Et c'est pour ça qu'évidemment pour s'évader ça va être pas trop compliqué parce que vous savez que le numéro de la cellule en fait, enfin le numéro voilà d'ici c'est tout simplement le numéro de la cellule. Et vous avez pu le voir que là on est dans la prison numéro 2652, enfin la 2652, donc du coup c'est parti, on va mettre ce code là 2652. Et voilà, ok on va pouvoir aller dehors. Et ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va aller poser des petites questions à Michou pour savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans une prison et surtout comment est-ce qu'on va se libérer d'ici. Donc franchement j'espère vraiment qu'on peut se libérer d'ici. Donc les potes, n'hésitez pas dès maintenant, j'ai un petit défi pour tous ceux qui regardent la vidéo actuellement. Voilà, aujourd'hui le défi c'est très simple, vous allez devoir tenter de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un gros pouce bleu, attention, en moins de 3 secondes. Et tous ceux qui réussiront à faire ce défi, franchement vous êtes les meilleurs parce que franchement c'est un défi qui est quand même assez compliqué. Mais bravo à tous ceux qui réussiront à faire ce petit défi parce que voilà c'est quand même un défi qui est assez compliqué. Bref, du coup c'est parti les potes, il va falloir absolument qu'on retrouve dès maintenant le qu'on retrouve du coup Michou. Donc Michou il devrait pas être très très loin d'ici. Alors Michou, est-ce qu'il est vers là-bas? Ok, donc visiblement il n'est pas dans la cellule 2650, peut-être qu'il est là. Ah, il est ici, nickel. Regardez, il est en train de dormir d'ailleurs. Ok, bon, on va le réveiller un petit peu. Attends, je sais comment on va le réveiller, on va cliquer, on va cogner un petit peu sa barrière, donc enfin ses barreaux. Donc je vais prendre un petit truc. Attends, on va toquer. Hey Michou. Michou, Michou, hey, ouais, Michou, il faut que je te parle un petit peu là avant que Weshden arrive. Michou, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que Weshden nous a capturé? Je crois que je l'ai trompé, mais en fait c'est pas vrai et du coup elle m'a capturé pour se marier avec toi. Attends, quoi? J'ai rien compris à ce que tu me dis. Tu peux pas parler plus fort, Michou? Elle nous a capturé parce que quoi? Elle nous a capturé parce que moi, à ce qui paraît, je l'aurais trompé. Oh mais... Attends, mais t'es sérieux? T'as trompé Weshden, Michou? Ah mais non, non mais... Non, j'ai pas fait. Ah donc elle pense que tu l'as trompé, c'est ça? Oui, et maintenant elle veut se marier avec toi. Mais pourquoi elle veut se marier avec moi? Mais qu'est-ce qui lui arrive à Weshden? Elle a craqué. Pourquoi? Mais oui, Michou, pourquoi elle veut se marier avec moi? Je sais pas du tout parce qu'elle croit que je l'ai trompé. Ah, t'es en train de me dire que vu qu'elle pense que toi tu l'as trompé, et bah entre guillemets, elle veut se venger, c'est ça? Et donc pour se venger, elle veut se marier avec moi? Oh, mais les amis, mais what? Mais c'est hardcore, les gars! Apparemment, Weshden elle veut se marier avec moi. Alors, les amis, je sais pas si je vais avoir le choix de me marier ou non. Parce que voilà, j'espère que je vais au moins avoir le choix. Parce que moi, je n'ai pas envie de me marier avec Weshden, les potes. Bon, les amis, sinon, en dehors de ça, peut-être que Weshden ne devrait pas tarder à arriver dans la ville. Et d'ailleurs, je crois que Weshden, en plus, ça, elle a capturé quelqu'un d'autre aujourd'hui. Parce que du coup, c'est pour ça qu'elle est dehors actuellement. Donc, je sais pas si elle a réussi à capturer quelqu'un ou pas. Donc, c'est pour ça que du coup, bah, les potes, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu, on va monter un petit peu en l'air, voir si du coup, elle a réussi à capturer quelqu'un ou non. Donc pour l'instant je vois pas de truc un petit peu particulier, mais ce qui est bizarre c'est que vous avez entendu, j'entends des bruits d'explosion depuis tout à l'heure, comme s'il y avait du tonnerre, des orages qui était en train d'arriver. Mais oh, mais Weshden, y a Weshden qui est là. Qu'est-ce que tu fais là? Oula. Ah, salut Weshden, comment tu vas? Oula, ça va, tu devrais pas être dans ta cellule toi. Ah si si, pardon, je me suis trompé, en fait je sais pas, la cellule elle s'est ouverte toute seule et je voulais te prévenir comme quoi ma cellule elle s'était ouverte. Bah je vais y aller hein, c'est ouais. Bon, t'inquiète pas. Non, ah non, bah tu vas pas aller là. Ah non, je vais pas dans cette cellule, je vais où alors? Non, tu vas là du coup. Ah je vais là, mais pourquoi je vais pas là-bas? Y a qui dans cette cellule là-bas? Va, allez, vas-y, rentre. Mais y'a qui dans la cellule là-bas? Hein? Oui. Attends, mais je connais cette voix. Lola?
Lola, mais what? Mais qu'est-ce que tu fais là, Lola? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, tu vois, Wajel avait organisé un concours pour ses abonnés. Oui. Ils avaient réussi. Et quand j'étais allée chez elle, et bah, elle m'a capturé. Quoi? Mais Wajden, elle a capturé Lola. Mais wesh, mais les amis, mais Wajden, elle est trop folle ou quoi? Mais elle a un problème. Elle est méchante. Mais oui, elle est méchante. Oh là là. Une heure. Bon, les amis, si vous voulez qu'on arrive à s'échapper de cette prison dès maintenant, je pense que je vais vous donner un défi. C'est que si jamais tous ceux qui regardent la vidéo actuellement s'abonnent à la chaîne et que vous mettez tous un pouce bleu, et bah, je pense qu'on va sûrement réussir à s'évader de la prison. Donc Lola, donne un petit objectif à mes abonnés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont devoir s'abonner pour qu'on arrive à s'échapper? Oui, du coup, c'est quoi le défi aujourd'hui? Ça va être un défi très spécial aujourd'hui parce qu'ils devront s'abonner avec l'orteil. Avec l'orteil, ils doivent s'abonner avec le petit doigt de pied là, t'es en train de me dire? Non, le gros. Le gros orteil. Oh les potes. Bon, aujourd'hui, le défi c'est de vous abonner en gros avec vos pieds. Et si vous arrivez à vous abonner avec le gros orteil, c'est que vous êtes vraiment les meilleurs parce que c'est un défi qui est très très dur aujourd'hui. Et oui, Lola, qu'est-ce qu'il y a? Et tu sais qu'à chaque abonnement, que quand les abonnés s'abonnent, on peut gagner des cadeaux, par exemple là, on peut gagner une clé pour tenter de s'échapper. Oh, les potes, apparemment, si tout ça... En fait, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, et ben on gagne un petit cadeau et peut-être que du coup, il y aura un cadeau qui nous permettra de nous libérer. Donc les potes, hein, dès maintenant, abonnez-vous et peut-être qu'on aura la clé, pardon, pour se libérer. Voilà, bon, alors, oula, il y a Weshden qui arrive là, je crois. Oula, viens, on reste sage, Lola. Voilà, on va rester sage, on va se poser ici tranquillement. On va attendre de voir qu'est-ce que Weshden elle veut faire. Bon Lola, il faut que je te parle un petit peu d'un truc là, du coup Lola. Bon, je sais que t'es une fan de Weshden, etc. Ah bah elle est là. Coucou Weshden. Coucou Weshden. Oula, non Weshden, non Weshden, Weshden, tranquille. Oui, Weshden, entre nous. Ah, tu dois me parler avec moi. Pas t'es très jolie. Non, oui, d'abord, toi tu vas rester là toi. Non, viens toi la petite. Non. Attends, non, hé, tu touches pas à ma fille toi. Eh Weshden. Ah mais tu la captures. Eh Weshden. Non mais t'es folle. Mais qu'est-ce que... Libère ma fille tout de suite Weshden, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, les potes, ok, non, c'est bon, non mais... Fais l'autre. Weshden, s'il te plaît, fais pas de mal à ma fille, juste, non. Oh là, les amis, je crois que... Toi, tais-toi là-bas, toi. Les amis, je crois que... Wow, wesh, mais Weshden, elle est en train de brûler Michou. Mais attendez, attendez vite, je vais libérer Lola. Oh, Lola, c'est bon, je suis là. Oh. Bon, écoute Lola, il faut vraiment que j'aille parler avec Weshden parce que je crois qu'elle a un petit truc à me dire. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Mais écoute, Lola, il faut vraiment que je parle avec Weshden pour découvrir qu'est-ce qu'elle a de si... Tout libéré. Oui, t'inquiète pas, je vais tout faire pour qu'on soit libéré de cet endroit. Parce que franchement, c'est vraiment pas elle le but. Elle est méchante. Elle est méchante, oui, elle est trop méchante, Weshden. Bon. Elle a géchant. Elle a vraiment changé, exactement. Bon, allez, on va attendre que Weshden revienne et puis comme ça, je vais pouvoir un petit peu lui parler. Ah ouais, ok, Weshden. Bon, Weshden, ok, je viens. Lola, tu restes là, hein, tu bouges pas. Papa. Ok, oui, Weshden. Viens, on monte. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un petit peu Weshden. Je crois qu'elle a un petit truc à me dire d'important. Donc, hop, on va monter là-haut. Ok, c'est bon, je suis là-haut. Wow, oula. Rentre. Quoi? Wesh! Les gars, Weshden, elle est dans le portail. Bon, d'accord, ok, je vais bien aller dans le portail. Mais je sais pas du tout où est-ce que ce portail du Nether va nous emmener. Oh, what? On est où, là? What? Attendez, les amis, donc là, je suis actuellement dans le portail du Nether. Mais, les amis, mais what? Mais où est-ce que c'est? Mais c'est trop stylé, ici. Weshden, mais pourquoi tu voulais... C'est ma villa. C'est ta villa, ça? Oh, wow, c'est trop stylé. Mais elle est énorme, ta villa. Attends, mais je peux regarder un petit peu? Ouais, vas-y. Wow, les potes. Oh, mais en fait, les amis, vous savez, c'est la vie. Mais c'est la villa qu'il y a sur Minecraft dans le monde normal, mais elle est aussi dans le Nether, en fait. Oh, mais c'est trop stylé, Weshden. Je sais pas comment t'as construit un truc pareil, mais wow, je kiffe trop. Bon, Weshden, et bah du coup, si c'est ça ta villa, dis-moi un petit peu, Weshden, comment... Enfin, pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Bah attends, je suis à l'entrée de la villa, viens avec moi, Weshden. Attends, je vais vite fait t'emmener avec moi. Slash, tac... tu viens avec moi, Weshden? Je crois qu'elle est là, Weshden. Ah, ouais, non, elle est pas. Attends, Weshden, vas-y, viens. Je suis là. Attends, mais je te vois pas, moi je suis entré. Ok, d'accord. Bon, du coup, Weshden, maintenant qu'on est devant ta villa, mais qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, déjà, je me rappelle plus. Ah, tu te rappelles plus? C'est bon. Vas-y, bah, dis-moi. Veux-tu m'épouser? Mais comment ça, si je veux t'épouser? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Weshden? Mais t'as craqué ou quoi? Non, je veux pas t'épouser. Oula. Quoi? Mais pourquoi... Michou m'a trompé. Michou, il m'a trompé avec une autre, là. Je sais pas qui c'est, pas ce qui... Mais attends. Mais je suis énervé, là. Ah, ouais, non, mais me brûle pas. Non. Bon, écoute, je veux bien qu'on s'arrange. Écoute,
J'ai une idée, Weshden, écoute-moi. Bon, ce qu'on peut faire, alors, évite de me menacer avec des armes, s'il te plaît, ça me plaît pas de ouf. Bon, ce qu'on peut faire, peut-être que j'ai une idée qui pourrait être cool, c'est que du coup, on se marie, si tu vois, enfin, genre, je t'épouse, etc. Mais, une fois que je t'épouse, hop, on arrête tout, tu libères ma fille, tu me libères moi et tu libères Michou, d'accord? Oui, mais on reste mariés. Mais attends, je comprends pas, c'est pour énerver Michou que tu fais ça ou parce que tu m'aimes, là, je comprends plus. Ouais, les deux. Oh, mais what? Non, mais... Ouais, tu sais que moi, j'ai déjà une copine, hein, donc, ça va peut-être pas... Ça va pas... Oula. Non, d'accord, ok. Bon, les amis, je crois que je vais pas avoir le choix que de me marier avec Weshden, parce que sinon, regardez-moi ça, à mon avis, je vais finir comme le squelette qu'il y a devant elle. Donc, d'accord, ok, Weshden, bah, on se marie dès que tu veux, là, quand tu veux, on se marie, là, ok, même maintenant, si tu veux, même, carrément. Bon. Bah, d'abord, faut appeler ta fille, et Michou, on va le laisser là. Ma fille, je crois que, comme par hasard, en plus, elle est juste là. Ah, bah, regarde, elle est en train de faire un petit milkshake, là, les amis, pour fêter notre mariage, je crois. Ah, vous allez me manger. Ouais, on va se marier, Lola. Bon, je t'expliquerai ça plus tard. Okay. Bon, les potes, voilà. Ouais, Lola, elle est en train de nous faire un petit milkshake à chacun. Un pour moi, merci. Celui pour Weshden aussi. Tiens, Tata Weshden. Tata Weshden. Bah, normalement, ça va peut-être être presque. Ça va presque être maman, du coup, hein, bientôt. Bah oui, ça va presque être. Non, ta belle maman, du coup. Non, mais tu l'appelleras Tata, d'accord? Tu l'appelleras Tata. Voilà. Okay. Vas-y, passe-moi un petit jus pour moi. Oh les amis, le petit jus de Lola, il est vraiment très bon. Hein, franchement, il est très très bon les potes. Donc voilà. Bref, les amis, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va sûrement aujourd'hui organiser le petit mariage que je vais faire entre moi et Weshden. Donc voilà, ça va vraiment être un truc de ouf, les amis. Vous allez voir, de toute façon, durant cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer. Mais enfin, voilà, ça va être assez incroyable. Donc les potes, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Ouais, Lola. Tu veux pas me marier avec maman de base? Hein? Tu veux que je veux marier avec maman? Oui, mais tu t'es pas déjà marié? Bah si, je suis marié, mais écoute. Bon, Lola, tu sais que Lola, je suis en train de... Ah oui, bien vu, je cache ma rive à Jouigui, parce que sinon, les amis, Weshden, elle va savoir que je suis déjà marié. Bon, Lola... Lola, si je me marie avec Weshden, c'est pour qu'on soit évadé de cette prison, parce que tu sais qu'on est encore enfermé. Non, ok. Mais alors du coup, c'est qui va faire le témoin de mariage, etc. là, Weshden? Parce que là, y'a personne, là. Oui, y'a personne, rien. Hein? Ça sera un prêtre. Le prêtre Apou. Ah bon, d'accord. Bon bah ça va sûrement être le prêtre Apou qui va venir pour l'occasion sûrement. Oui. Donc écoute Weshden, tu sais quoi? Moi je vais retourner dans ma cellule et je vais continuer les activités etc. parce que je crois qu'on a des trucs à faire avec ma fille. Mais pendant ce temps-là, toi, oui je prépare la bague. Mais toi pendant ce temps-là prépare la cérémonie avec le prêtre Apou, d'accord? Ce que je te propose, c'est qu'on pourrait se marier dans le Nether, donc tu vois, ici, là, tu prépares bien l'endroit, et puis comme ça pourrait être cool, d'accord? Oui. Allez, c'est parti. Bon, et bah les potes, je crois que la vidéo va prendre du coup une nouvelle tournure, parce que les amis, voilà, je vais devoir me marier avec Weshden pour que je puisse m'évader de cet endroit, parce que vous avez pu le comprendre, hein, je crois qu'on est totalement enfermé à cet endroit, enfin je veux dire, Weshden ne laissera pas nous échapper si jamais je me marie pas avec elle, donc bah c'est pour ça que je vais être obligé de me marier avec elle pour du coup qu'on soit libre, et qu'avec Lola et Michou on puisse partir d'ici, parce que bon, on va pas se mentir, ici c'est pas vraiment le luxe, donc voilà, bon. Maintenant qu'on est là les amis, ce qu'on va faire c'est que bah du coup je vais commencer à me préparer pour le mariage de tout à l'heure. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'espère que le mariage se passera bien. Et vous allez devoir me mettre dans les commentaires une note sur 10 de comment vous allez trouver le mariage qu'on va faire avec Weshden, Apou. Et puis sûrement il y aura Michou pour ce petit mariage. Donc voilà, ça va être sympa. Écoute Lola, ce que tu peux faire soit c'est que pense-toi, t'as qu'à préparer les... Bah toi vu que t'es une cuisinière, t'as qu'à préparer le buffet de mariage, non? Allez, c'est parti, regardez la cuisine là-bas, moi, allez. Tu sais, moi, si je prépare un truc, tu sais où ça va finir. Hein. Ah, ça va finir où? Dans ton ventre? Dans le ventre. Bon, ok, dans le bidou. Bah écoute, je te laisse préparer le bidou. Je te laisse préparer le petit repas du buffet de ce soir. Franchement, normalement, on va bien manger. En plus, les amis, si c'est Lola qui cuisine, là, ça va être trop bon. Donc vas-y, Lola, fais bien la nourriture comme il le faut, etc. Okay. Et puis, bah, comme ça, dans la prochaine vidéo, évidemment, oui, un gâteau de mariage aussi. Hein, voilà. Et comme ça, bah, du coup, le mariage de Weshden et de moi sera vraiment trop bien, les potes. Vous allez le découvrir. Trop nul. Comment ça trop nul? Il va être trop bien le mariage. Parce que moi je veux pas que vous mariez. Weshden est la 16 ans, je te rappelle. Ouais non mais écoute, c'est que dans Minecraft tu sais. Et puis en vrai en plus on va même pas se marier pour dans la vraie vie tu sais. Non, et bah j'espère.
Si je me marie avec elle, c'est uniquement pour te sortir d'affaires. Comme ça, au moins, tu pourrais être libre. Mais bon, on a qu'un pile Cosmos. Parce que lui, il veut se marier avec elle. Oui, oui, non, mais Cosmos, il est beaucoup trop vieux pour elle. Hein, par contre, tu vois, très, très vieux, ok. Il est très, très vieux. Bon, je te laisse préparer le buffet. Oh, à mon avis, Weshden doit sûrement être actuellement en train de préparer, du coup. En train de préparer, du coup, la scène de mariage. Et bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve. Bah, attends, on va faire goûter à Michou les petits repas que tu nous as préparés. C'est quoi le nom de la cellule ici? C'est la 2649. Ok. 2649, voilà. Allez Michou, viens, on va te libérer d'ici là. 2651, oh, vas-y, sors. Non, papa. Allez, viens. J'ai une clé spéciale. Ouais. Twinner. Ouais. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que t'as à me dire, Michou? Ouais, attends. Non, je veux pas vous Michou, je crois mêmes. Qu'elle veut me dire quelque chose. Michou, il veut me dire quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais faire une vidéo où tu trompes Weshden. Oh, waouh, oula, mais toi tu veux et que dans je le gâteau de mariage, tu mets un explosif et ça explose tout ça. Oh là, tu me donnes une bonne idée. Eh, mais ça pourrait être trop stylé de tromper Weshden si jamais on se marie, tu vois. Elle va sûrement pas aimer que je la trompe et peut-être qu'après bah je serai un petit peu en danger de mort, tu vois. Ça pourrait être drôle, non? Ouais, mais papa, hein, pourquoi ça se trouve, il voudra te tuer. Et après, si elle tue, moi, je vais faire comment? Oh là là, bah je sais pas, mais t'inquiète pas, elle me tuera pas. Moi, je suis très très débrouillard et je bah, vais pas mourir, t'inquiète pas. Si tu n'as pas de problème, toi, tu vas finir dans mon ventre. Oula, les amis, je crois qu'il y a Lola qui est en train de me menacer là, les gars. Bon, et bah les amis, ce qu'on va faire, c'est que vous avez pu le voir, on a donc fini le buffet. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà goûter si le buffet est bon et si vraiment on est prêt pour. Alors pouvoir, là, la cuisinière Lola. Ouais. D'abord, je vais mettre mon petit chapeau de cuisine parce que sinon. Vas-y, mets ton petit chapeau de cuisine alors. Vas-y, présente-nous un petit peu les différents repas que t'as fait là. Attends, je prends mon petit chapeau. Allez, on va voir un petit peu, mais franchement, je pense qu'on va bien manger. Hein. Regardez-moi ça, il y a du petit poulet là. Je vois qu'il y a des burgers, des hot dogs. Il y a aussi deux gros gâteaux de mariage qui vont être trop bons à mon avis. Donc, Madame la cuisinière Lola a préparé un bon burger frites, un cheeseburger avec de la salade, un peu salade pour faire un peu végétarien. Ah, on a préparé un gros poulet que j'ai tué hier. Wouah, c'est toi qui l'as tué le poulet. Ouais, mais Lola, mais t'es une criminelle toi en fait, hein. On était de ma mère. Oula, les amis, Michou, il a mangé tout le repas. Il a mangé le buffet de ce soir. Waouh, yo, ils sont en colère là, ils sont en colère. Bon, les amis. Eh, les gars, je pense que les amis, cette vidéo va être incroyable. Et surtout la vidéo de demain où on va organiser le mariage, il va être encore plus incroyable. Elle va être encore plus incroyable. Donc, les potes, si jamais vous ne voulez pas louper le mariage dès maintenant, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez tout de suite vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification qui se situe juste à côté. Merci à tous ceux qui le feront, ça me fait super plaisir. Et puis en plus, vous allez vous m'aider énormément du coup pour que je puisse faire plein d'autres vidéos. Mettez aussi dès maintenant un gros like parce que les amis, vous savez quoi, si jamais on se donne un petit défi, si jamais il y a 5000 likes, et bah dans le mariage de demain on fera une petite surprise et peut-être pourquoi pas on mettra des explosifs dans le gâteau, ça pourrait être plutôt drôle hein, franchement. Donc voilà, 5000 pouces bleus, on le fait. Et si vous vous abonnez tous à la chaîne, et bah tout simplement j'organiserai une grosse fête de mariage avec vous les abonnés. Donc vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao.